Akudo! Oui, grand frère. Ah, arrête ce que tu es en train de faire et viens ici rapidement. Ah! Ah, j'étais en train de manger. Oh. Toi, Akudo, tu trouves toujours quelque chose à dire quand je t'appelle. Oui, grand frère, qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis là maintenant. Prends cet argent pour aller faire le marché. Hein? Non, non, grand frère, ce n'est pas suffisant. Les choses sont très chères au marché maintenant. Ah! Qu'est-ce que je peux bien faire avec 5 000? Grand frère, je suis sérieuse. Les 5 000 ne peuvent pas suffire. Ah, cet argent n'est pas suffisant. Attends, je vais te dire quelque chose. La nuit passée, je suis allé à la cuisine. Et je me suis rendu compte que nous avions tout ce dont on avait besoin pour préparer une bonne sauce. Tout ce qui nous manque, c'est d'acheter le poisson. La prochaine fois que tu auras besoin d'une astuce, oh, appelle-moi, je vais te la donner. Laisse-moi, je ne peux même pas donner de l'argent pour moi. Achète-toi une carte de recharge avec ce qui va rester, d'accord? Oh, mon Dieu, merci. Moi, je vais au boulot. Ok, bonne journée. Hey. Merci, monsieur. Dayo. Ah, bonjour, mon nom est Akudo. Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherche un certain Emeka. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, Emeka est mon frère, mais il vient à peine de sortir. Ah. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur? Non, il n'y a aucun problème. En fait, je suis un instituteur affecté dans ce village. Je cherche un endroit où habiter. Ok. Et on m'a dit que votre frère a une chambre à louer. Oui, nous avons une chambre à louer. Mais il n'est pas là. Il est allé au travail tout à l'heure. Ok. À quelle heure il rentrera? Je peux vous donner son numéro. Okay. Pour que vous puissiez l'appeler. Compose-le ici. Merci beaucoup. Je vais l'appeler. Ok. Tu es la fille la plus magnifique que j'ai jamais rencontrée. Oh. Oh. J'espère mieux te connaître. Je vais t'appeler. Désolé, je l'appellerai. Oh, 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 oh.
Akudo. Grand frère, tu es de retour. Oui. Oh. S'il te plaît, apporte-moi mon plat. Ok, j'arrive. Ce plat m'a l'air très délicieux. C'est moi qui l'ai cuisiné. Hey. Ou n'est-ce pas moi la seule et unique Akudo? Comment était ta journée? Ça va. Grand frère, quelqu'un est passé te voir. Hein? Oh. C'est un maître. Il est à la recherche d'une maison. Est-ce que tu lui as montré la chambre? Ah, grand frère, il a pris ton numéro, il a dit qu'il allait t'appeler. Tu aurais dû lui montrer la chambre. Ah, tu sais bien qu'on a besoin d'argent. Hein? Personne ne m'a appelé. Ce sont les trucs qui ne me plaisent pas chez toi. Et ça, tu le sais très bien. Mais il a pris ton numéro. C'est pourquoi je ne lui ai pas montré la chambre. Ok, quelqu'un m'appelle. Ah bon? Attends. Allô? Hey, oui. Ma soeur était en train de me dire que vous êtes venu demander une chambre à louer ici. Hein? Est-ce que vous en avez trouvé? Ok. Ce soir me convient très bien. Vous pouvez venir ici. Oh. Ça me va alors, demain matin. Demain matin me convient. Oui, je serai présent. Ok. Excusez-moi, s'il vous plaît, votre nom? Dayo. Ok. Je vais vous attendre demain matin, Dayo. Je vais enregistrer le numéro. Ok. Ah, grand frère, est-il toujours intéressé par la chambre? Il est intéressé. Ah, l'argent arrive. Hey, oui, ma chère. Je ne crois pas. Enfin, je vais pouvoir rembourser toutes mes dettes que j'avais prises. Je suis enfin libre. Tu donneras ma part, j'espère. Oui, tu donneras ma part. Je ne te comprends pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais attends qu'il apporte d'abord l'argent. Je suis sûr qu'il l'apportera. Ah, bébé, comment vas-tu? Voilà qu'on se retrouve encore. Mon amour et moi. Sacrilège. Je sais que tu vas en brousse pour fumer de la cigarette, n'est-ce pas? Calme-toi. Tu sais, il fait très chaud et le pays va mal. Donc j'ai besoin de prendre du feu pour ouvrir les yeux grandement, pour bien voir dans l'avenir. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est vraiment pas étonnant que tu te comportes comme un malade mental. Ma chérie, tu sais, un jour, toi et moi, nous allons marcher ensemble. Tu marcheras avec moi, main dans la main. On va s'asseoir. Nous irons de l'avant. Nous irons vraiment très loin. Personne ne nous arrêtera. Mon cher Chika, si tu ne dégages pas de mon chemin immédiatement, je vais te défigurer avec ma machette, entendu? Ce qui ne me plaît pas chez toi, tu es toujours fâché. Tu ne cherches jamais à me comprendre. Pourquoi? Dis-moi, est-ce que tu es dans ta période? Calme-toi enfin, sois gentil. C'est juste une invitation, mon amour. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler mon amour. Je ne suis pas ton amour et je ne serai jamais ton amour. Oh, désolé. Désolé d'avoir utilisé ce mot amour par erreur. Désolé. Est-ce que tu connais Chioma? Celle dont le père loue la voiture pour les enterrements. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Chioma? Laisse-moi t'expliquer. Voici ce qu'elle disait. Oh, il n'est pas mon niveau, il n'est pas mon genre. Elle a fini par se marier avec ce vieillard. Ce vieillard court qui répare les motos. C'est son mari. Elle a même fait des jolis enfants. Ils sont ravis. Donc ça ne dérange pas que tu refuses de me laisser t'appeler mon amour. Avec le temps, tu vas finir par m'aimer. Et je vais finir par t'aimer aussi. Et ensemble, nous aurons des enfants. Je suis sûr que nous aurons des jumeaux ou bien des triplés. Finis par tomber amoureuse de toi. Bien sûr. Est-ce que tu rêves? Hein? Ne t'inquiète pas. Avec le temps, on saura qui de nous deux rêve. Pour le moment, laisse-moi t'aider. Ok, allez, viens porter. Vite, disparais d'ici. Espèce de drogué. Je ne sais même pas pourquoi je me suis arrêtée pour t'écouter. Mon amour. Ma femme.
Ne t'inquiète pas, avec le temps tu vas m'aimer. Je prie qu'avant ce temps je n'ai plus ton temps. Parce que la manière dont je vois les choses, je vais tomber amoureux d'une autre fille dans ce village. Hey. Bonsoir. Bonsoir, frangin. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup. Tu dois être d'ailleurs, n'est-ce oui, pas? Oui, c'est bien moi. Et tu dois être Emeka. Oui, c'est moi. Le propriétaire. Oui. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, enchanté. Enchanté. Comment est-ce que tu te sens ici, dans notre village? Bon, jusque-là, tout va bien. Je suis arrivé tout récemment. Ok. Je suis à la recherche d'une maison. Non, ce n'est pas un problème. On peut rentrer pour que tu puisses voir la chambre. D'accord. Allez, viens. Merci beaucoup. Allez, viens. Alors, j'espère que ça te plaira. Oui. Le coin ici, c'est très propre, n'est-ce pas? Ça me plaît. C'est vraiment propre. Ça me convient. C'est parfait pour un maître comme toi. Oui. Assieds-toi, je t'en prie. Merci beaucoup. En fait, c'est là-bas. Je dormais au début. Okay. Mais comme tu as pu le constater, les choses ont évolué. Tu l'as visité, j'espère que ça t'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Ah. Alors, on a des choses à se dire, hein? Bon, puisque ça me plaît beaucoup, je veux juste savoir combien ça coûte. Oh, ce n'est pas du tout cher, c'est seulement 100 000. Ah! Et pourquoi tu cries? Ce n'est pas cher, tu peux payer, c'est bien meublé. Ah, mon frère, 100 000, ce n'est pas si beaucoup que ça. Non, 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 c'est trop cher. J'ai vu des maisons moins chères. Je le sais, mon frère, mais cette maison est déjà meublée. Regarde toi-même. Tu n'as pas vu le matelas à l'intérieur? Mon non, frère, non, non. Pourquoi est-ce que tu te plains? S'il te plaît. Hein? C'est trop cher pour moi. Oui. Hein? Ok, dis-moi, combien as-tu? Moi, je pensais à un prix qui tourne autour de 60 000. Ah, ça non, je ne veux pas les 60 000, ça ne peut pas les avoir. C'est insuffisant, je ne veux pas. C'est trop petit, mon frère. Tu vois bien comme la maison est belle. Hein? Donne-moi 95 000 et on en parle. Non. Ah, s'il te plaît. 95 000, je trouve que c'est encore trop cher. Je ne suis qu'un simple instituteur. D'ailleurs, je ne travaille pas encore. Le prix que tu me demandes est trop élevé. Tu sais, je suis juste en train de faire du volontariat pour mon pays. Alors si tu m'aides, tu vas aussi rendre service à la nation, s'il te plaît. Il faut essayer de laisser à 70 000. Ah! S'il te plaît. Mon ami, ajoute 5 000 dessus. Il faut essayer d'ajouter au moins 5 000 pour compléter à 75 000. Je pense que là, c'est bon. Parce que c'est tout ce que je peux faire. Bon, ok. 75 000, ça va. Je suis d'accord. Alors, comment est-ce que tu veux payer? Tu veux le payer cash ou... Si tu as un compte bancaire, je vais te faire un virement. C'est bon? Hein? Attends que je t'apporte le numéro de mon compte. Sois le bienvenu, frère. Hey, je vais te l'apporter tout à l'heure. Reste bien assis. Je t'apporte de l'eau. Non, ça va. Ok. Te voilà. Hey. La plus belle fille au beau sourire. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis allée faire des courses pour mon grand frère. Et toi, comment tu vas? Je vais bien. On vient juste d'échanger. Oh, alors tu prendras la chambre? Oui. Est-ce que ça te plaît? Oui, je l'adore d'ailleurs. Quand est-ce que tu aménages? Bien, quand tu voudras que j'aménage. Tu es amusant. Je l'aménagerai demain matin. Demain matin? Où est-ce que tu vas dormir ce soir? Je suis en colère. À l'hôtel qui est au bord de la route. Ok. Est-ce que tu es pressé de rejoindre ton grand frère? Non, pourquoi cette question? Viens avec moi. Tu sais, c'est à cause de toi que j'ai emprunté cette voie. Tu es amusant. J'avais envie de te voir. Vraiment? Oui. Mon grand frère bien-aimé. Akodo. Mon unique frère. Ma mon gentil frère. Pourquoi je veux mon argent. Quel maintenant, argent? Grand frère. Allez, donne ma part. Tu parles de quel part? Grand frère, tu le sais. S'il te plaît, ne fais pas comme si tu ne sais pas de quoi je veux parler. Ben, je te comprends pas. Est-ce que tu ne veux pas donner la chambre en location à Dayo? Alors donne-moi ma part. Grand frère. Bébé. Belle femme. Je vais te voir plus tard. Hein?
Grand frère, ne non, fais non, pas, non. Hein? Grand frère, je ne je veux pas. Prie. Ah, je veux juste ma part. Tu dois me donner 10 000. Oui, 10 000. Ah. En tant que la propriétaire ou bien mon grand agent? Grand frère, tu sais, tu devrais me donner plus que ça. Eh, je ne veux que 10 000 et pas plus. Ah. Hey. Tu devrais me donner plus que ça. Écoute, Akudo. Comment se fait-il que chaque fois qu'il s'agit d'argent, tu fais les calculs correctement? Pourquoi? Hein? C'est justement une affaire d'argent. Par exemple, lorsqu'on fait le calcul 1 plus 1, on trouve toujours 2. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne trouves pas 11? Grand frère, l'argent n'est ami à personne. Grand frère, donne ma part. Je vais commencer à pleurer. Tu sais quoi? Quoi? Ma sœur chérie, je vais te donner 5 000. 5 000? Hein? Non, non, je ne veux pas. C'est trop petit. Voici ce qu'on va faire. J'ai beaucoup de choses à acheter ce mois-ci. Il faut que j'achète des pièces de mon engin. Alors, laisse-moi acheter les pièces et les réparer. Et ensuite, je pourrai me faire beaucoup d'argent, tu vois. Hein? Tu es d'accord? Je suis d'accord. Mais promets-moi de me donner ma part à la fin du mois. Ah. Je ne comprends plus ce que tu demandes. Grand frère, je suis sérieuse, oh. Grand frère. Grand frère. Ok, ok. J'accepte, je suis d'accord. Ah, c'est bon, je suis d'accord. Tu aimes trop l'argent. J'ai faim. Ah. Est-ce que tu as fait ma commission? Oui, je l'ai faite. Hein? Je m'en vais maintenant. Et je t'en prie, apporte-moi ma nourriture. Hein? Avec 2 morceaux de viande. Ok. Merci beaucoup. Ça me plaît. Ouais. Salut. Salut. Si tu finis de ranger tes affaires, il y a à manger pour toi. Ah, de la nourriture? Non, ça n'en vaut pas la peine. Tu ne devais pas t'en faire. Je n'ai pas faim. Non, c'est un grand plaisir pour moi de préparer la nourriture pour toi. Allez, viens. Viens que tu goûtes. Que je vienne manger? Ça sent bon. Je mangerai, mais à une seule condition. Une condition? Que tu manges avec moi. Ah. Tu ne me dis même pas non. N'y pense même pas. Non. Ok, attends que j'aille prendre une cuillère. C'est ce que je veux. Qu'est-ce qu'elle est gentille, cette fille. Bien, nous allons prier. Dieu bénisse cette nourriture et bénisse celle qui l'a cuisinée. Bénis aussi nous qui allons la manger. mangeons. C'est toi qui as préparé ce repas? Oui. Tu l'apprécies? Je l'adore. C'est vraiment délicieux. Tu sais, quand on m'a affecté dans ce village, j'avais un seul souci. J'ignorais où manger. Je te ferai toujours à manger. Tu es sérieuse? Oui. Merci beaucoup. Allez, mange. Akudo, tu sais, je n'arrête pas de penser. Tu penses à quoi? Akudo, ton nom.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire famille paisible. Waouh! C'est très intéressant. Famille paisible. C'est un joli nom. Ouais. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que Daio signifie? Le nom complet est Daium, ce qui signifie la croix. Apporte la joie. Oh. Est-ce que tu as une croix? Et est-ce qu'elle t'a une fois apporté la joie? Bon, je suis à la recherche de cette croix, mais je pense l'avoir trouvée. Parle-moi d'elle alors. Les mots me manquent pour t'expliquer ce que je ressens. Tu sais, tu es la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Quand je te regarde dans les yeux, il y a un très beau sourire qui fait rayonner ton visage. Je souhaite juste que ce trésor soit à moi pour toujours. Tu sais, si tu veux que je te conduise jusqu'à chez toi, tu dois me payer mon argent avant que je t'y conduise. Je ne vais nulle part. Tu m'entends? Je ne vais nulle part. Mais dis-moi, Emeka, hein, tu n'es pas Igbo. Pourquoi? Pourquoi tu n'agis pas? Je ne te comprends pas. Arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce qui ne va pas. Emeka, j'ai fait mes recherches et j'ai découvert que tu as donné ta maison en location à un simple maître. Et le mec est en train de faire des bêtises avec ta petite sœur. Il est toujours accroché à elle. Pourquoi, Emeka? Qui? Qui? Tu me demandes la personne à qui tu as donné ta maison. Hé, je t'arrête tout de suite. Désolé. En quoi est-ce que cela te regarde, hein? Si je donne ma maison en location à quelqu'un, je suis désolé. Ça ne va pas chez toi? Pardon. Mais mon frère, attends un peu. Tu viens de me dire qu'il était en train de faire des choses avec ma sœur, hein? S'il te plaît, explique-moi un peu. Je t'ai dit que je les ai vus ensemble, dans la rue. Il était couché sur ta sœur, hein? Il était en train de la caresser. Il était en train de la serrer dans ses bras et la balancer dans tous les sens. Hé, je vais le tuer. Très bien. Monte et file. Tu veux tuer quelqu'un et tu es en train de perdre du temps. Peut-être qu'il est en train de la caresser en ce moment. Allez, roule. Allez, roule. Roule vite. Étrangle-le. Tue-le. Idiot. Tu vas m'entendre. Tu viens juste d'arriver dans ce village et déjà tu m'arrêtes, ma chérie. Est-ce que tu sais le nombre d'années que j'ai passé à courir après elle? Elle m'a dit non. Et toi, tu sors de nulle part pour la prendre dans tes bras. Comme tu es son père. Tu penses que tu es le plus beau et le seul à avoir la barbe? C'est parce que le soleil brille dans ce village. Sinon, je serai encore mille fois plus beau que toi. Idiot. Tue-le! Il ne doit pas t'échapper du tout. Il n'est pas le seul à avoir le teint clair. Cet idiot, ne le laisse pas, tue-le! La fille qui m'a refusé. Oh, les femmes. Prends un couteau, poignarde-le jusqu'à ce qu'il meure. Idiot. D'ailleurs, attends que je vienne t'aider parce que je suis en colère. Akudo, Akudo, où es-tu? Akudo, grand frère. Quelles sont ces bêtises que tu es en train de faire? Hein? Pourquoi es-tu en colère? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe entre toi et ce sale mec? Quel est son nom déjà? Daio. Pourquoi tu veux savoir ce qui se passe entre nous? C'est quoi cette question? Je vais te gifler. Ça ne va pas ou quoi? Je t'ai posé une question et toi tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu es malade? Si j'ai affaire à Daio, quoi est-ce que cela te regarde? Hein? Laisse-moi tranquille. Hey, Akudo. Donc tu vas me dire que
C'est vrai? Hein? Il y a quelque chose entre vous? Si c'est faux, alors pourquoi tu suis la défensive? Grand frère, est-ce que tu n'as rien d'autre à faire? Grand frère, c'est comme si tu es sans emploi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Hein? Pourquoi est-ce que tu te mêles de mes affaires? Hey, c'est à moi que tu parles comme ça? Hein? Tu es cinglé? Ah! C'est à moi que tu parles comme ça? Ça me reste chez toi. Reviens ici. Tu ne peux pas savoir à quel point tu es magnifique. J'adore ton sourire. Tu as le plus beau sourire que j'ai jamais vu. On vient à peine de se rencontrer, mais c'est comme si on se connaît depuis des années. Qu'est-ce que tu m'as donné? Tu as fait quoi? Eh mon Dieu, tu n'es pas seulement mignonne. Tu as aussi les lèvres les plus sucrées que j'ai jamais sucées. Tu sais quoi? Si Dieu ne t'avait pas créé, le monde n'allait pas exister. Fais-moi un bisou. Je dois rentrer chez moi. Mon bébé, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes tel que je t'aime? Dis-moi, je t'adore. Mon bébé, fais-moi un bisou. Tu sais, je veux vraiment t'avouer que tu es vraiment très intelligente. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu n'as pas pensé à poursuivre tes études secondaires. C'était mon souhait de poursuivre mes études. Après le décès de mes parents, ils sont morts dans un accident de la circulation. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Ouais. J'étais en année préparatoire du baccalauréat. Après le décès de mes parents, nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Nous avons souffert énormément. La vie était devenue très dure pour moi et mon grand frère. Je pensais pouvoir finir mes études. Je suis vraiment désolée. Ouais. Il y a vraiment pas mal de soucis qui me tracassent en ce moment. Alors, pourquoi ne pas aller voir certains de tes parents, lointains pour qu'ils t'aident à poursuivre tes études? Ils ont tous refusé. Tout le monde nous a abandonnés. Nous sommes restés seuls depuis le décès de mes parents. Mon frère et moi avons souffert. Personne n'était prêt à nous aider. Personne. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que ce qui devait arriver arriva. Dayo, je t'ai parlé de moi. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu as étudié à l'école? Ok, bien. J'ai fait mes études en biochimie. Waouh. Dayo. Oui. Je voudrais te parler. Mon proprio. Je t'écoute. Il y a des rumeurs qui courent dans le village. Ne me mens pas du tout. Je veux savoir la vérité. Je suis très sérieux. Attends, mon proprio. Je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu veux parler? Dis-moi ce qui se passe entre toi et ma petite sœur. Ah, ta petite sœur. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu me dises ce qui se passe.
Dis-moi clairement, qu'est-ce qui se passe entre toi et ma petite sœur? Je te pose cette question, je veux que tu me répondes. Absolument rien entre ta petite sœur et moi. Ou qui est-ce qui t'a dit qu'il y a quelque chose entre nous? Est-ce que tu seras en train de me dire que tu ne couches pas avec ma petite sœur? Hey, c'est ça? Dieu m'en garde. Moi? Pourquoi? Ta sœur que je viens à peine de connaître. Je la salue tout simplement. Rien de plus. Écoute, cette information est fausse. C'est juste une rumeur. C'est des histoires. Je ne peux pas te mentir. C'est tout à fait faux et archi faux. Écoute-moi, Dayo. Écoute très bien. Quand je te louais cette chambre à toi, ma petite sœur n'était pas inclue. Est-ce que tu m'entends? Si jamais j'entends... Oh, si jamais j'entends que tu fais des bêtises avec ma sœur, Dayo, ce que je vais te faire, tu ne pourras jamais l'oublier. Bêtise. Mon proprio. C'est 10 000. C'est vraiment propre. Ah, mon proprio. Ah, d'ailleurs, comment vas-tu? Je vais bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Proprio. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Hey, quelle belle femme. Ah. Akudo. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, pourquoi tu les regardes de cette manière? En quoi est-ce que cela te regarde? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Oh, donne-moi mon argent. Ah, mais tu les regardes comme si tu ne les avais jamais vus auparavant. Donc c'est toi qui vas me dire comment je dois regarder les gens. Pardon, tiens. Tiens ça. J'aime ta compagnie. Est-ce juste ma compagnie que tu aimes? Je suis en train de réfléchir. Ah, tu es en train de réfléchir? Tu es en train de réfléchir, hein? Arrête! Tu réfléchis? Arrête! Oh, arrête! Tu sais que je n'aime pas du tout quand tu me chatouilles, surtout quand je n'ai pas l'intention de faire quelque chose. Toi, tu ne veux rien faire? Si tu ne veux rien faire, alors je te montre la porte sortie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux venir chez toi, mais je ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire? Tu ne veux rien faire? Non, je ne veux rien. Arrête. Arrête, je dis. Ah, mon amour. Mon amour. Laisse-moi t'aider. Donne-moi. Ah, mon amour. Akudo. Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Akudo. Qu'est-ce qu'il y a? Akudo. Dis-moi, quel est le problème? Dis-moi. S'il te plaît, parle-moi. Viens. Allez, viens. Va-t'en. Ah. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Dayo, à partir d'aujourd'hui, reste loin de moi. De quoi? Reste loin de moi! Ok. Je vois que tu es de mauvaise humeur. Ne t'inquiète pas. On se fera plus tard. Hey! Hey! Le blanc! Arrête! Tu as saoul ou quoi? M'arrêter pourquoi? T'as quoi? Petit bandit, je suis toutes tes traces depuis que tu es arrivé dans ce village. Et
j'ai connu ta mission. Quelle mission? C'est à moi que tu demandes. Tu me demandes. Tu es en train de courir après toutes les filles de ce village. Tu les touches. Tu les caresses. Tu couches avec elles. Et tu as le culot de toucher mon cœur. La fille que j'adore. À coup d'eau. Si je te vois encore auprès de cette fille. Si jamais je te vois tourner autour d'elle. Et qui es-tu exactement? Tu me demandes. Ne cherche pas à savoir qui je suis. Il s'agit de toi et cette fille. Si je te vois encore autour d'elle. Petit bandit. Écoute mon ami, je ne te suis pas du tout. Pourquoi est-ce que tu me menaces? Qui es-tu? Dis-moi. Écoute. Écoute-moi très bien, jeune homme. Je ne sais pas d'où et comment tu es arrivé dans ce village. Tu veux m'arracher ma bœuf, la fille que j'adore, ma Akudo. Pourquoi? Parce que tu es un maître, ou bien parce que tu es un blanc, ou parce que tu as la barbe. Si je te vois encore avec elle, tu vas m'entendre. Tu es nul. Hein? Oui. Tu es un bon à rien. Parce qu'un mec qui réfléchit ne voudra pas se disputer avec d'autres mecs à cause d'une fille. Alors qu'elles sont nombreuses dans le village. Jeune homme, écoute bien. Il y a des filles très spéciales. Et cette fille, elle est spéciale. Ouais. Si jamais je te vois tout notre gars. Gringalé, excuse-moi. Hey, reviens là. Comment ça va à l'école? Ça va, monsieur. Tu fais quelle classe? CM2. CM2? Mm-hmm. Très bien. Approche. Que signifie peureux? Peureux? Mm-hmm. Oui, peureux. Que signifie peureux? Peureux. 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 Ça veut dire quoi? Peureux. Merci beaucoup. Okay. Même élève qui va à l'école ne connaît pas ce que signifie peureux. Elle me traite de peureux. Ce mec est mort. Kudo, quoi de neuf? C'est à cause de... Akudo, il faut qu'on parle. Dayo, je me souviens t'avoir dit de rester loin de moi. Akudo, je connais la raison de cette attitude. C'est à cause de... la collègue que j'ai ramenée la dernière fois à la maison. Tu dis qu'elle est ta collègue, mais tu as couché avec elle. Jamais. Pourquoi? Non. Akudo, je l'ai amené chez moi pour donner l'impression à ton frère qu'il n'y a rien entre nous. Je n'ai jamais connu un menteur professionnel comme toi. Même si on te prend la main dans le sac, tu trouveras quelque chose à dire. Akudo, s'il te plaît, je ne sais pas de quoi tu parles, s'il te plaît. J'ai tout simplement amené ma collègue chez moi et c'est ce qui te met dans cet état. Bien sûr. Elle n'a pas le droit de venir quand me rendre comme visite. Elle le veut. Akudo, je n'apprécie pas cela du tout, ok? Rien ne s'est passé entre nous. Tu n'as même pas cherché à savoir pourquoi j'ai agi de la sorte. J'aurais dû me méfier. Mais non. Tu sais, Dayo, disparaît de ma vie. J'ai compris que je ne méritais pas du tout un homme comme toi. Non, 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 non. Akudo, ne dis pas cela, s'il te plaît. Je ne te mérite pas. S'il te plaît, ne dis pas ça. Tu me mérites. Akudo, écoute. Dayo, laisse-moi tranquille. Ne me dérange pas. Akudo, s'il te plaît, écoute. Il ne s'est rien passé. Dayo, okay? Peux-tu me laisser en paix? Disparais. Lève-toi. Ah. Akudo. Ce maître est un gros menteur. Il n'a pas honte de mentir. Alors que je l'ai pris la main dans le sac.
Akudo. Hey, Ogé, ma meilleure amie. Enfin, tu te souviens de nous aujourd'hui. Oh, j'étais très occupée. Je suis un peu libre en ce moment. Oui. Ah? Tu continues tes activités de servante? Il y a longtemps que j'ai arrêté ça. J'ai stoppé il y a des mois. Ça ne m'intéresse plus du tout. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais bien ma patronne. Cette femme est beaucoup ennuyeuse. Je vais chercher à faire autre chose. Tu as raison. Pour le moment, je suis très prise, comme tu peux le voir. C'est bien. Hé, hey, si tu es venue rendre visite à mon frère, il vient à peine d'aller au boulot. Non. Il vient de sortir. Je ne suis pas venue voir ton frère. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? D'ailleurs, à l'intérieur, n'est-ce pas? Dayo? Oui. Pourquoi veux-tu voir Dayo? C'est mon petit ami. Quoi? De... Ah, le voilà qui arrive. Ah. On se parle plus tard. Salut. Salut. Mon amour, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Allons à l'intérieur. Ah. Akudo. Homme éhonté, tu es un gros menteur. Hey! Qu'est-ce que je t'ai tu fait? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Tu n'as même pas honte de toi. Tu m'as menti la fois dernière en me disant que la fille qui était avec toi était ta collègue. Et encore aujourd'hui, tu as couché avec la fille que tu allais accompagner, Dayo. Dis-le-moi, ne me mens pas, je t'écoute. Écoute, qu'est-ce qui se passe au juste? Je ne te comprends pas. J'ai essayé de te parler de ton grand frère et de ce toxicomane, Chika. Mais tu ne m'as pas écouté, tu m'as ignoré. Vraiment? Oui. Je t'ai ignoré? Je t'ai pris la main dans le sac. J'ai entendu ce que tu lui as dit. Je l'ai entendu aussi. Non, tu n'as pas entendu notre conversation. Est-ce que tu as entendu ce qu'on se disait? Est-ce que tu sais ce que j'étais en train de lui dire? Non, je n'ai rien entendu. Je suis sourde, Dayo. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Non, voyons. Akudo, tu ne peux pas me faire ça. Reconnais que tu as tort. Il s'agit de ma vie privée. Dayo. Dayo, à partir d'aujourd'hui, Akudo, reste très loin de moi. Calme-toi. Je dis reste loin de moi. Akudo. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Sois le bienvenu, Emeka. Je vous demande ce qui se passait lorsque je suis arrivé. Qu'est-ce qui se passe ici? Akudo! Akudo! Mon ami, j'espère que tu as bien senti cette gifle. Ça te fait mal, hein? Alors, commence à parler. Emeka, c'est juste qu'on ne s'est pas compris. Continue de ne pas comprendre. Akudo! 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 Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Rien. Ah bon, rien? Rien, grand frère. Alors, pourquoi est-ce que tu l'as giflé? Je l'ai giflé pour qu'il se réveille. C'est une gifle de réveil. Et pourquoi? Hein? Pour rien, grand frère. Ah! Oh, pour rien. Tu donnes à quelqu'un une gifle de réveil? Pour rien? C'est bien ça. Ah, très, très bien. Pour rien. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Tu vas me dire ce qui se passe entre toi et Dayo. Tu m'as entendu? Entre toi et ce mec qui est dehors. Je veux savoir tout ce qui se passe. Et si tu me mens, tu verras. Si jamais tu me mens, tu verras. Il n'y a rien entre nous. Je t'assure que tu vas m'entendre, ok? Tu me connais. Je vais te briser la tête et casser tes jambes. Il n'y a rien. Après ça, je vais aller lui couper la tête aussi. À ce gars qu'on appelle Dayo. Ne t'inquiète pas, laisse-le dans cet état. Sache que tu ne viendras pas avec cette grossesse dans cette maison. Tu m'as appelé pour ça? N'importe quoi.
Attends, attends, attends. Oh, grand frère, laisse-moi tranquille. Oh. C'est un produit anti-moustique. Il te protégera contre les moustiques pendant au moins 8 heures. Non, j'en ai pas besoin, merci. Akudo, tu ferais mieux de te protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter les maladies. Ne refuse pas de le prendre parce que tu es en colère contre moi. Tu sais, je me fiche de ce que tu penses. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains. Je reconnais t'avoir trompé. Mais sache que tu es la meilleure pour moi. Je suis fou amoureux de toi. Oh, laisse-moi tranquille. Tu es prétentieux. Ne fais pas semblant. Je sais que tu es folle amoureuse de moi. Tu ne peux jamais t'empêcher de m'aimer. Mais ce que je veux savoir, puisque tu m'aimes, pourquoi tu ne te bats pas pour moi? Moi? Me battre pour toi? Hein? Moi, Akudo? Tu ne serais pas la seule femme qui se bat pour moi. Oh, mon Dieu. Oh, écoute, Dayo, quitte derrière moi. Quitte-la. Laisse-moi. Pas toi pour ton amour. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir. Bonne arrivée. Merci, madame. Madame, s'il vous plaît, nous sommes venus ici de la part de... Hé, toi, viens, écoute-moi très bien. J'espère que ce n'est pas ma soeur que tu es venue voir. Tu sais quoi? Si c'est bien ça, je vais te couper la tête. Essaie voir. Dayo, tu connais ce gars? Réponds à la question. Mon ami, est-ce que tu me connais? S'il te plaît, nous sommes ici pour faire une sensibilisation, pas pour répondre à des questions stupides. Écoute, mon ami, c'est la maison de mon père. Et ce village est mon village. Alors dis-moi, qui est-ce que tu sensibilises? Qui? Est-ce que tu peux essayer de nous laisser parler à maman, s'il te plaît? Puisque tu n'es pas vraiment intéressé par ce qu'on vient faire. Parler à qui? Ma maman? Ok, tu veux la sensibiliser si tu essaies. Dis-moi, c'est quel développement un bouc comme toi peut apporter à ce village? Comme je l'ai dit, nous sommes ici pour une sensibilisation dans le cadre de nos activités communautaires. Effectivement. Monsieur Leblanc, toi, venir ici pour sensibiliser qui? Si je te vois tourner autour de cette maison ou bien dans ce quartier, tu vas m'entendre. Tu sais, ça ne vaut plus la peine. Partons d'ici, Viviane. Le monsieur n'est pas intéressé par ce qu'on fait. Allons-y avant que je ne crée un scandale. On y va. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il vient de faire là? Ce n'est rien d'autre que de la pure folie. La pauvreté et la frustration. Non, il t'a plutôt accusé. Il t'a même insulté. Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas le fait que tu ailles voir sa sœur? Je ne sais même pas. Parlons sérieusement. Est-ce que j'ai l'air d'être... Est-ce que tu peux oublier tout ça, s'il te plaît? Nous sommes ici pour des activités communautaires. Pouvons-nous rester dans ce cadre? Pourquoi est-ce que tu es sur la défensive? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, est-ce que tu me caches quelque chose? S'il te plaît, est-ce que tu peux changer de sujet? Est-ce que tout va bien, mes enfants? Oui, maman, merci. Tout va bien. Nous sommes ici pour une sensibilisation sur la santé et l'hygiène. C'est pour le développement de... Ce sont les activités de développement de notre communauté. Ah, mes enfants, essayez de bien m'expliquer ce que vous avez dit pour que je puisse vous comprendre. Je ne suis pas comme vous. Nous sommes tous des instituteurs. Hein? Et c'est le gouvernement qui nous envoie pour échanger avec tout le monde. Nous devons essayer de vous faire comprendre beaucoup de choses sur la santé. Maman, nous passons dans toutes les familles pour leur dire comment chacun doit pouvoir nettoyer son environnement pour éviter que les rats ne contaminent la nourriture. Oui, c'est ça. C'est pour éviter d'être contaminé par le virus de la fièvre de Lassa. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Ok. Maman, tu sais... Voici ce que tu dois faire pour éviter cette maladie. Il faut nettoyer ta cuisine et ta cour chaque matin et chaque soir. Est-ce que tu comprends? C'est pour éviter que les souris restent dans la cuisine et la cour. Il ne faut pas laisser de reste de nourriture ouvert. C'est ce qui attire les rats dans la maison. Ok, ok. Maman, il faut toujours bien fermer les portes. Oui. Et... Comment est-ce que tu conserves les céréales? C'est ça. Je veux dire le riz, le maïs et le mil. Où est-ce que tu les gardes? Écoutez, on les met dans les sacs habituellement. C'est comme ça on les garde. Non, maman. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ces rats sont capables de déchirer le sac avec leur bouche et entrer à l'intérieur et faire leurs besoins dans les grains. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut plutôt mettre les céréales dans un récipient en plastique. Les récipients doivent être bien fermés. Et quand ils sont bien fermés, rien ne pourra les atteindre. Maman aussi, il faut avoir l'habitude de bien se laver les mains après les toilettes et avant de manger. Même les fruits, quand tu les cueilles, il faut toujours les laver pour éviter d'être contaminé par cette maladie qu'on appelle la fièvre de Lassa. Maman, il ne faut pas oublier de jeter les ordures. Tu peux aller les jeter dans les poubelles que le gouvernement a placées à tous les carrefours. Évite surtout de verser de l'eau sale dans la cour. Tout à fait. Parce que c'est l'eau sale qui attire les moustiques. Je vois, on doit rendre la cour propre. Exactement. C'est ça, maman. Ok. Maman, c'est pour tout cela que nous sommes venus te voir. C'est bien ce que vous faites. Merci beaucoup. Soyez bénis. Que la paix de Dieu vous accompagne. Merci, maman. Merci beaucoup. Maman, n'oublie pas de faire ce qu'on vient de dire. C'est ta santé qui est le plus important pour nous. Il faut le faire pour aider la fièvre de la sœur. Je vais être comme vous. Merci, okay, maman. Au revoir, mes enfants. Dieu te bénisse. Maman, aide-nous à informer aussi tes voisins. On dirait qu'il n'y a personne là-bas. Il faut les informer aussi. Ok, je vais les informer. Okay. Okay. Quand vous allez venir ici un autre jour, tout sera très bien, maman. D'accord. C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Je vais être propre comme vous. Akudo! Oh, tu as quel problème, Chika? Pourquoi est-ce que tu me suis? Akudo, je t'ai appelé plusieurs fois. Hein? Et tu as vu les appels, mais tu ne m'as pas rappelé. Si tu ne veux plus que je t'appelle, dis-le-moi. Chika, ça fait combien de fois je t'ai dit d'arrêter de me déranger? Arrête de me suivre partout dans ce village, Chika. Mais je t'aime beaucoup. Et puis? Et je veux m'occuper de toi. Sinon, comment est-ce que moi, Chika Dibia, je peux toujours te suivre partout alors que les autres filles sont folles de moi dans ce village? Pourquoi, dis-moi? Regarde-toi quand même. Hein, Chika? Ou bien tu es ailleurs? Ah! Chika! Akudo, regarde-moi dans les yeux. Je t'aime fort. Je t'aime beaucoup. Je suis fou de toi. Je ne peux même pas exprimer tous les sentiments que j'ai pour toi. Je t'aime sincèrement. Tu veux que je croie en toi? Hein? Comment est-ce que je peux croire en toi? Je ne fais pas du tout confiance à un sale type comme toi. Un toxicomane en plus. C'est encore mieux de faire confiance à un mec comme moi que de faire confiance à cet albinos. Cet idiot, ce bon à rien qui drague toutes les femmes de ce village. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Oh, tu ne peux pas comprendre.
Ce pauvre blanc. Je suis sûr que cet albinos va mourir d'une maladie incurable bientôt. S'il ne te laisse pas tranquille dans ce village, je vais le tuer. Chika, tu sais, je te mets en garde. Et c'est la toute dernière fois que je vais te le dire. Arrête de me suivre partout dans ce village. Laisse-moi en paix. Quoi? La prochaine fois, tu n'apprécieras pas ce que je vais te faire. Je te laisserai pas tranquille. Arrête de me suivre. Je vais te suivre parce que tu es à moi. Peut-être que tu vas me tuer. Tue-moi. C'est toi que j'aime. Mais c'est un maître blanc que tu préfères. Tu sais, je reconnais t'avoir trompé, mais sache que tu es la meilleure pour moi. Je suis fou amoureux de toi. Ne fais pas semblant. Je sais que tu es folle amoureuse de moi. Tu ne peux t'empêcher de m'aimer. Mais ce que je veux savoir, puisque tu m'aimes, pourquoi tu ne te bats pas pour moi? Que je me batte pour lui. Je ferai vraiment tout ce que je pourrai. Oh mon Dieu. Je meurs de faim. Est-ce que tu as de quoi à manger? Je vais trouver de quoi à manger. Salut. Est-ce que cette fille est normale? Apparemment, elle n'est pas normale. Pourquoi est-ce qu'elle réagit de la sorte alors que je ne lui ai rien fait du tout? Ou est-ce que tu as quelque chose à voir avec elle? Où est-ce que tu veux en venir? Hein? Elle ne m'a pas injurié. C'est plutôt toi qu'elle a injurié. D'ailleurs, j'ai l'impression que ma présence la dérange. Alors, je ne sais quoi dire. Peut-être qu'elle a tout simplement un problème avec toi. Elle te déteste peut-être. Tu sais, il y a des gens qui haïssent les autres sans aucune raison. Dayo, je te connais bien. Presque tout ce qui sort de ta bouche est la contre-vérité. Mais malgré cela, tu es toujours avec moi, donc qu'en est-il de toi? Lève-toi et allons manger. Après cela, tu pourras parler d'elle si tu veux. Ah, mon Dieu. Allô, Oge? Oge, où es-tu? Oge, il faut que tu viennes chez moi maintenant. Il y a quelque chose de très mauvais qui se passe. C'est ton stupide petit ami. Ce jeune est avec une autre fille. Tu ferais mieux de venir maintenant. Viens maintenant. Dayo. Ok. Arrête. Tu ne te fatigues pas. Non. Chaque fois que j'arrive chez toi, tu passes tout ton temps à me déranger. Laisse-moi un peu de temps pour me reposer. Ah non. C'est juste que j'ai toujours envie de te toucher. Oh, Dayo, laisse-moi tranquille. Laisse-moi partir. Non, mon amour, laisse-toi aller. Akudo. Est-ce que c'est vrai ce que tu m'as dit au téléphone? Tu penses que je mens alors? Entre et tu feras toi-même. Jésus! Dayo. S'il te plaît, laisse-moi, ne me blesse pas. Donc c'est vrai. S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, viens. Ne me touche pas. Lâche-moi. Laisse-moi viens, tranquille. Viens, viens, je vais t'expliquer. Excuse-moi, j'arrive. Ha ha ha.
tu viens faire ici? Dayo, qui est cette fille? Quelle fille? Maintenant, tu es libre de tout avouer. Allez, mens. Allez, allez, allez. Continue, continue. C'est... C'est... Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Tu es vraiment un très bon chasseur. Tu fais semblant d'être dans une situation très difficile. Maintenant, il est grand temps que tu décides de choisir celle d'entre nous trois que tu veux maintenant. Hey, Akudo, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. Ce Dayo est en train de goûter trois différentes marmites de sauce. Je dis bien trois. Choisis une d'entre nous trois, Dayo. Toi. Toi. Toi aussi. Vous toutes. C'est fini entre nous. Hey! Où est-ce que tu vas? Reviens ici. Arrête-toi là. Après tout ce que j'ai fait pour te plaire, ce sont ces filles villageoises que tu as préférées au lieu de me choisir moi. Toi, tu es stupide. Tu es vraiment stupide. Pauvre villageoise. Hein? Regarde-moi celle-là. Tu oses nous traiter de villageoise. Ne pense même pas nous parler comme ça. Ah, Dayo, est-ce que tu entends bien ce qu'elles disent à mon sujet? Tu as été là en train de les regarder m'insulter à cause de ce que monsieur cache là dans son pantalon. Tu permets à ces deux stupides villageoises de me manquer de respect. Toi, tu es stupide. Espèce de paresseux. Je vais m'occuper de toi. Tu verras que toi et moi, nous n'avons pas le même niveau de vie, idiot. Tu vas m'entendre. Dayo, ne me provoque pas, toi. Dayo, sors de ma maison. Dayo, je ne veux plus jamais te voir auprès de moi. J'ai dit plus jamais. Sinon, tu vas le regretter. N'importe quoi. Ok, si. Ne me touche pas. Aïe, tu es contente maintenant, n'est-ce pas? Je sais que c'est toi qui as causé tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, menteur? Tu sais, je pensais que tu étais intelligente. Mais maintenant, je me rends compte que tu es la fille la plus stupide de ce village. Et c'est toi le plus idiot. C'est ce que je vois. Hein? Trois différentes filles. Ne t'inquiète pas. Tu vas regretter ce que tu viens de faire. Oui, Akudo, tu vas m'entendre. Tu vas le regretter. C'est ce qu'on fera. Excuse-moi. Regardez-le. Je ne sais vraiment pas ce qui t'empêche de te calmer un peu. N'importe quoi. Monsieur le malin, l'incroyable monsieur. J'espère que tu as bien dormi. Je parie que ta nuit était merveilleuse. Akudo. Oui. Tu es venu me provoquer, c'est ça? Ah. Hein? Tu veux me pousser à parler, n'est-ce pas? Tu es tout à fait contente maintenant. Tu as gagné, bravo. C'est Akudo qui gagne tout le temps. Ok, ne t'inquiète pas. Ah, Dayo. Ne me touche pas avec tes mains sales. Calme-toi. J'ai très bien dormi. J'ai dormi comme un bébé la nuit dernière. Pour ton information. Ok, je suis heureux que tu aies bien dormi. Continue ainsi. Mais attends, pourquoi est-ce que tu cries? C'est toi-même qui m'as suggéré de me battre pour celui que j'aime. Et je me suis battue pour toi, mon amour. Bien sûr que oui. Okay. Je ne sais même pas pourquoi tu es en colère. Ne t'inquiète pas. Dayo. Laisse-moi tranquille. Quel est ton problème au juste? Arrête, je sais que tu m'aimes encore. Ferme ta bouche. Toi aussi, ferme ta bouche. Je dis ferme ta bouche. C'est pour toi que je me suis battue, ok? Tu fais tout ce cinéma pour rien. Calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Pauvre villageoise. Ne reviens plus ici. Attends, je reviens te trouver ici. Calme-toi. Hé, hey, mon Dieu. Elle est en train de me taper sur le nerf, celle-là. Ah. Hé, où est-ce qu'elle va? Dis-moi, où vas-tu? Dégage de mon passage. Qu'est-ce que tu veux Dégage. Voir, madame? Ne rentrera pas Laisse-moi ici. Passer. Dayo? Dayo n'est pas là. Tu penses que tu vas rentrer dans cette maison comme tu veux? Allez, dégage de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces cris? Ah, toi ici? Je veux te parler en privé. Hein? Il n'y a pas d'affaires privées ici. Tout ce que tu veux dire, tu le dis ici, n'est-ce pas? Et qui est-ce que tu te Et prends? Et toi, pour qui te prends-tu?
Ok, calme-toi, s'il te plaît. On va se calmer. Dayo, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Oh, notre père. Pourquoi tous mes ennemis veulent me parler aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on discute. Je veux te parler en privé, Dayo. Ma chère, je ne bouge pas d'ici. Je t'ai dit que je veux te parler en privé. Je ne vais nulle part. Et toi, qu'est-ce que tu cherches ici? Et que fais-tu ici aussi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Écoutez, vous deux, je n'ai pas le temps de vous parler en privé. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le ici devant nous tous. Nous allons tous écouter. Je suis enceinte. Hein? Ah! Qu'est-ce que vous dites? Dayo, arrête ça. J'ai toujours toléré toutes les conneries que tu as faites avec les autres maîtresses. Et ce sont ces filles villageoises que tu... Tu dis quoi? Et si tu fermes ta bouche. Chai. Ah. Allez, je t'écoute. Explique-toi. Oh, qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Non, ce n'est pas vrai. Vous me faites du chantage. Ça ne marche pas. Comment est-ce que je peux être l'auteur de vos grossesses? Ferme ta bouche. Je te disais chaque fois d'utiliser le préservatif, mais tu refusais. Oh mon Dieu, pourquoi moi? S'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe là? Je ne comprends vraiment rien du tout. Tu oses laisser cette fille stupide raconter n'importe quoi, cette fille. Arrêtez, ça suffit. Allez, disparaissez d'ici. Oh, tu dois être cinglé. Tu es malade. Ok, vous refusez de partir. Ok, vous pouvez rester ici. Où penses-tu aller comme ça? Où est-ce que tu vas? Où? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Laisse-moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Mon ami, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais de ma grossesse? Je t'écoute. Laissez mon habit. Laissez mon habit. Dayo, laisse-moi tranquille. Tu dis quoi, petite sorcière? Ne me touche pas. Quoi? Tu m'entends? Va-t'en. Va-t'en de chez moi. Sortez de chez moi. Sortez de ma maison, fils. Misérable fille. Dayo. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de la grossesse? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas du tout? Ok. Tu ne sais pas si tu dois avorter la grossesse ou pas? Je te le répète, je ne sais pas du tout. Je te le répète, je ne sais pas du tout. C'est pour ton bien. Laisse-moi te poser une question. Attends que je te pose une question. Si tu étais à ma place, est-ce que tu avorterais? Je ne peux pas me mettre à ta place du tout. Ne me demande rien. Je suis en train de te demander. Je ne sais même pas pourquoi je te parle. Tu sais, Ok, je ne vais même pas tourner autour du pot. Si toi et ce stupide soi-disant maître voulez, vous voulez faire des jumeaux, ça ne changera rien à ma vie. Cela n'obligera jamais Dayo à rester avec toi. Attends, est-ce que tu es vraiment sérieuse? Akodo, est-ce que tu vas bien? Nous sommes en train de parler d'une personne qui n'est pas honnête. Sa seule intention, c'est de courir d'une fille à une autre. Oh, vraiment? Puisque tu sais qu'il est malhonnête, alors pourquoi tu veux garder cette grossesse? Tu sais quoi? C'est ce que je voulais faire, mais j'ai déjà changé d'avis. Ok, tu ne veux pas l'avorter. Tu ne veux pas enlever ce machin de ton ventre, c'est ça? Non. Ok, c'est bien moi. C'est moi, Akodo. Je vais m'occuper de toi dans ce village. Tu ne peux rien me faire. Tu me connais. Je sais de quoi je suis capable. Allez, on peut parier. On parie. Allez, on verra. Toi, Ok, je vais te montrer qui je suis. Tu vas avorter de cette grossesse. Tu sauras qui je suis. Tu es très capricieuse. Tu aimes ça. Tu aimes quand je te chatouille. Arrête. Tu es très mignonne. Je sais. C'est ici. Allons. Thank you.
que vous êtes venu la trouver dans cet état? Oui, monsieur. Ok, d'où est-ce que vous venez au juste? Vous venez de là-bas ou bien vous venez de l'autre côté? On venait de là-bas, de l'autre village. Et vous n'avez pas vu quelqu'un dans ce secteur? Vous n'avez pas vu quelqu'un qui partait dans ce sens? Dans l'autre sens? Non, on n'a vu personne. Vous n'avez vu personne? Il n'y avait personne. Homme est honté. Tu es vraiment un bouc et honté. Hey, au moindre clin d'œil, tu es déjà avec une autre fille. Et parmi toutes les filles qui sont dans ce village, c'est elle que tu as choisie. C'est celle-ci que tu as choisie, hey, Dayo. Akudo, est-ce que tu vas bien? Hein? Ferme ta bouche. Tu as le culot de parler? Regarde cette petite. Akudo, si je me souviens bien, tu m'avais dit l'autre fois ne plus vouloir de moi. Alors je ne sais pas pourquoi tu me déranges. Quel est ton problème? Très bientôt, tu vas le savoir. Tu sais quoi? Occupe-toi de tes oignons. Chérie, pardon, s'il te plaît. Laisse-moi! Où est-ce que cette fille est partie? Les enfants, c'est pas possible. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Oh! Ma fille! Aussi! Oh! Oh, mon Dieu! Pourquoi tu me fais ça? Oh! Aussi! Ah! Aussi, ne me fais pas ça! Oh, mon Dieu! Seigneur, pourquoi moi? Oh, aussi, ma fille aussi, pourquoi? Ma fille ne me fait pas ça. Oh, aussi. Aussi. Oh, aussi. Lève-toi. Oh mon Dieu. Dieu, pourquoi tu me fais ça? Chika, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi, Chika? Je suis venu voir ma chérie. Pourquoi? Je viens de recevoir un appel. Osinachi est décédé. On a retrouvé son corps dans le champ de sa mère. Hey! Osinachi est décédé. En quoi est-ce que cela me regarde? Je n'ai pas dit que cela te regarde. Donc tu as quitté chez toi pour venir jusqu'ici pour m'informer de son décès. Hein? Alors tu n'as rien d'autre à faire chez toi. Akudo, hein? Tu sais, je me soucie de toi. Et depuis des jours, je ne dors vraiment pas bien. Et dans mes rêves, je vois des gens habillés en jaune qui te poussaient et te tombaient au sol. Elles ont essayé de te tuer, mais c'est pour cela que je suis venu te voir. Pour te protéger, parce que je ne veux pas que cela arrive du tout. C'est seulement le jaune, tu n'as pas le rouge. Pas du tout, c'était des fantômes, Chika, en jaune. Combien de fois as-tu fumé? Hein? C'est combien de cigarettes que tu as fumé aujourd'hui? Parce que chaque fois que tu fumes, tu commences à raconter des choses vraiment étranges. J'adore beaucoup la cigarette parce que c'est elle qui a ouvert mes yeux clairement. Et j'ai bien vu que les fantômes étaient jaunes ou noirs. Tu sais, la cigarette est très importante. Quand la fumée de la cigarette sort, elle me permet de bien comprendre l'avenir. Mais tu sais, je ne vais pas trop parler. Tu vois toi-même. Ok, est décédé. Osinachi est aussi décédé. Est-ce que cela ne te fait pas réfléchir? Hein? Cela ne t'inquiète pas? Pourquoi est-ce que cela devrait m'inquiéter? Hein? Chika, réponds à ma question. Pourquoi est-ce que cela devrait m'inquiéter? C'est Dayo qui était leur petite amie. Donc? C'est Dayo qui était habillé en jaune. Tu veux que je me tue ou quoi? Non, c'était lui le fantôme. C'est un fantôme. Je suis prêt à tout pour t'avoir. Personne ne peut m'empêcher. Je veux que tu sois à moi seul. Même si je dois me tuer. Ce n'est pas que je vais me tuer pour toi, mais je vais me battre. Chika, va-t'en de chez moi. Je dis sors de chez moi. Si je rentre et je reviens te trouver ici, tu verras de quel point je me chauffe. Tu ne rencontreras aucun autre homme qui puisse t'aimer comme moi. Personne ne t'aime comme moi. Aucun homme.
Je suis sûr que même cet homme qui vit dans cette communauté ne pourra jamais t'aimer comme moi. Même ton mari spirituel ne pourra pas t'aimer de cette manière. Mais ce n'est pas grave. Tu me refuses à cause de ce fantôme. Il a quitté son pays pour venir m'arracher mon amour à coups d'eau dans mon propre village. Madame, s'il vous plaît. Désolé, madame. Ça va. Ma fille. Soyez forte, madame. Ma fille m'a laissé seule. Désolé. Ma fille. Ça va. Vous savez quoi? Madame, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Je vais vous poser quelques questions. Nous allons vous aider. D'accord? Ok, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous m'écoutez? Je vous écoute, officier. Okay. Est-ce que votre fille a eu un problème avec quelqu'un? Ou est-ce qu'elle a eu à se disputer avec son petit ami ou avec officier, une autre maison? Ma fille n'avait pas de problème avec quelqu'un dans ce village. On l'a tué. Ça va, madame. Désolé. Ça va, madame, je suis désolé. Désolé, madame. Est-ce que vous avez eu un problème avec quelqu'un qui vous a menacé de mort? Je n'ai pas de problème avec quelqu'un dans ce village. J'ai toujours respecté tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ils ont tué ma fille. Oh. Ok, ça va. Je vous comprends, ça va. Je suis vraiment désolé. Je vous comprends. Ça veut dire que vous ne savez pas qui a tué votre fille. Je ne sais pas qui a tué ma fille. Ok, maintenant écoutez-moi. J'ai vérifié dans son téléphone. J'ai découvert qu'avant son décès, elle a reçu un appel de l'un de ses amis. Et le numéro qu'elle a appelé avant son décès est enregistré sous le nom de Dayo. Est-ce que vous connaissez un certain Dayo? Oui, je connais ce garçon. Il est habillé comme les élèves qui ont fini leurs études. C'est des habits verts de la tête aux pieds. Ah, ok. Est-ce que c'est un enseignant? C'est ça. Ok, c'est très bien. C'est bien, je vois. Dites-moi, est-ce que vous savez où on peut trouver ce Dayo? Oui. Vous êtes sûr? C'est ça. Très bien. Alors, il faut nous amener là-bas. Nous allons vous aider. Je vais avec vous maintenant. Oui, madame, maintenant. Ok. Attendez-moi, je ferme la porte. Ok. Ça va. Allez. D'accord, ça va. Ok, on y va. Allez. Officier, c'est celui-là. C'est le jeune qui a tué ma fille. Hey, c'est lui. Ne bougez pas. Restez là où vous êtes. Chope-le. Qu'est-ce qui se passe? Allez, chope-le. Qu'est-ce qu'il y a? Chope-le, sergent. Immobilisez-moi, monsieur. Laissez-le. Ça va, madame. Madame, c'est bon. Laissez-le. Ça va, madame. Laissez-le. Ne bougez plus. Vous êtes en état d'arrestation. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous avez le droit de garder le silence. Sinon, tout ce qu'on me dirait ici sera retenu comme preuve devant la cour. Vous avez le droit d'appeler votre avocat. Et si vous n'en avez pas, la cour vous en trouvera un. Allez, sergent. Amenez-le. Je l'ai tué personne. Allez, passez. Pourquoi t'as tué ma fille? Madame, ce n'est pas moi qui ai tué votre fille. Ça va, madame. Laissez-le, s'il vous plaît. Laissez-le, madame. Je n'ai pas tué votre fille. Ce n'est pas moi. Amenez-le, sergent. Je n'ai tué personne. Calmez-vous, madame. C'est pour ça que tu te baladais dans le village. Madame, calmez-vous. Officier, je suis un instituteur. Je fais mon travail. Ce n'est pas moi qui ai tué cette fille. Mais notez-le. Je n'ai tué personne. Bouge, allez. Ce n'est pas moi. Au violon. Vous vous trompez. Avance. On y va. Oh, allez. Dieu merci. Avance vite. Aujourd'hui, tu me tiras. Pourquoi t'as tué ma fille? Dayo. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a? Akudo. Grand frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la police a arrêté Dayo? Il était accusé de la mort d'Osinachi. Osinachi est décédé. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que Dayo l'a tué? Alors, vous allez m'avouer. Officier, je vous jure que je suis innocent. Oh mon Dieu. Vous avez été la dernière personne à appeler la victime avant son décès. Officier, c'est parce que nous étions supposés nous voir pour aller à une soirée. Alors, c'est pour cette raison que je l'appelais pour savoir si notre rendez-vous tenait. Est-ce que vous connaissez une fille du nom de Oge? Elle était ma petite amie. Et où est-elle en ce moment? Elle est décédée. C'est ce que j'ai appris. Elle est décédée? Pourquoi l'avez-vous tuée? Ah, officier, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Eh mon Dieu, je ne l'ai pas tué, je vous assure. Mais les enquêtes que nous avons menées montrent que les deux filles étaient enceintes de vous. Elles sont venues vous voir. Et vous leur avez dit d'avorter leur grossesse.
Bien, tu reconnais avoir tué une. Et l'autre, tu l'as obligé à avorter sa grossesse. Ah. Et elle est morte après avortement. Vrai ou faux, monsieur Dayo? Oh mon Dieu, officier, c'est vraiment une fausse accusation. Je n'ai tué personne. Je ne peux pas le faire. Je me demandais, pourquoi tu as tué la deuxième fille? Ah, officier, officier, je n'ai tué personne. Je suis innocent, je vous le jure. Je suis innocent. Ah, oh mon Dieu. Vous vous êtes disputé. Pourquoi? Qui? Moi? Hein? Je n'ai tué personne. Vous vous êtes disputé. Et vous l'avez frappé avant de la tuer. Ah. Officier, je ne sais même pas quoi vous dire. Vous êtes un vrai criminel. Et je vais m'occuper de vous personnellement. Officier, s'il vous plaît, je n'ai rien fait. Je vous en supplie, officier. Officier, s'il vous plaît, ne m'enfermez pas. Je n'ai tué personne, je suis innocent. S'il vous plaît, ayez pitié. Je vous en supplie, ayez pitié. Dieu merci, tu es là. Chika, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas croire à ce que j'ai vu tout à l'heure. Quoi? Ce n'est pas au sujet de mon frère, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas ton grand frère. Est-ce que tu sais ce que j'ai vu? Je viens juste de voir. Dis-moi ce que tu as vu. Dayo vient de tuer son collègue. Dayo? Oui, il l'a frappé et l'a tué froidement. Où? Comment? Dans le champ de Ozormasa. Tu oui. sais, si je t'aimais pas, je n'allais pas venir te dire cela. Qu'est-ce que tu veux appeler? J'appelle mon frère. Allô, grand frère. Est-ce que tu es au village? Il faut que tu viennes immédiatement, s'il te plaît. Grand frère, ça ne va pas. Pas du tout. Oui, viens immédiatement. Dis-lui de se dépêcher. C'est grave. C'est quelqu'un qui est décédé. On vient de perdre quelqu'un. Ah, ce Dayo. Officier, passez devant. Passez ici, s'il vous plaît. D'accord. Tends-toi et reste derrière nous. Ouais. Officier, c'est la maison. Officier, vérifiez cette maison. D'accord. Il y a quelqu'un? Ok, on y va. Oui. Ah, officier. C'est ce jeune homme? C'est bien lui. Je suis en état d'arrestation. Tu es accusé d'avoir commis un homicide volontaire. Moi? Tu as le droit de garder le silence. Sinon, tout ce que tu diras ici sera retenu contre toi devant la cour. Mm-hmm. Tu peux appeler ton avocat. Si tu n'en as pas, la cour mettra un à ta disposition. Officier Okoye, oui, menote-le. Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Allez, viens. Je veux savoir ce qu'il a fait. Officier, arrête-le. Amène-le. Mon ami, reste tranquille. Menote-le vite. Et allez, avancez, allez. Avancez. Dites-moi ce que j'ai fait, monsieur. Avancez. On y va. Qu'est-ce que j'ai fait? Avance. Tu ferais mieux je de garder le silence. Je ne sais même pas pourquoi vous m'arrêtez. Allez, oui. Avancez. Allez, monsieur. Suivez. C'est Chika qui a tué Ogé. Marche plus vite. Allez, essayez de me dire pourquoi vous m'arrêtez. Hé. Avancez.
Avance. Mais pourquoi est-ce que vous m'arrêtez au juste? Tais-toi. Tu ferais mieux de te taire. Je n'arrive même pas à comprendre. Je ne sais pas. Quel genre de bête tu es? Officier, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne sais pas de quoi je parle? Oui. Tu as assassiné 3 jeunes filles froidement. C'est de cela que je suis en train de te parler. Je n'ai assassiné personne, officier. Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu étais en train de faire à l'endroit où tu dis avoir vu Dayo tuer Viviane? Officier, je passais juste par là. Et j'ai vu Dayo étrangler la fille. Et après cela, je ne sais pas, c'est la tuer. La pauvre. Écoutez, officier, arrêtez Dayo et posez-lui des questions. Croyez-moi, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Comment est-ce que tu peux expliquer le fait que Dayo soit l'assassin de Viviane alors qu'il en garde à vue depuis 2 jours maintenant? Officier. Oui. C'est le diable, monsieur. C'est le diable? Oui, c'est le diable qui m'a poussé à la tuer. Le diable t'a poussé? Oui, il m'a poussé. C'est le diable qui m'a poussé, officier. Je n'ai pas voulu la tuer. Tu sais, tout ce que tu fais est toujours en rapport avec le diable. Tu sais, la quantité d'herbe que tu fumes par jour est suffisante pour le diable à pouvoir t'amener à faire ce que tu n'as pas envie de faire. S'il vous plaît, je suis vraiment désolé, officier. La question que je me pose maintenant est pourquoi? Officier, c'est Dayo. C'est Dayo. C'est Dayo? Il m'a arraché mon amour à coups d'eau. Ce diable est sorti de nulle part pour arriver dans ce village et m'a arraché ma petite amie. Et avant que je le sache, toutes les filles ont commencé à l'aimer. Elles l'aimaient bien, je le détestais. Je suis désolé, officier. Je voulais juste mentir en disant que c'est lui qui les a tués. J'ai fait cela pour qu'il quitte le village et laisse Akudo. Alors, tu étais en train de faire tout cela pour que nous enfermions Dayo dans nos locaux? Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas voulu la tuer, officier. C'est le diable. C'est le diable? Oui, c'est le diable qui m'a poussé à la tuer. C'est Lucifer. C'est Lucifer? Oui, c'est Lucifer qui m'a poussé. S'il vous plaît, je suis désolé. À partir du moment où tu te verras enfermé seul dans une cellule, s'il vous plaît, tu commenceras à être reconnaissant envers le diable pour le parfait travail qu'il a fait. S'il vous plaît, monsieur, ne m'enfermez pas. Je ne veux pas mourir, monsieur. Je dois te pardonner? Oui. Pourquoi je devrais te pardonner? Je ne vais pas te pardonner. S'il vous plaît, tu sais quoi? Monsieur, je vais m'occuper personnellement de toi. Oh mon Dieu. Je vais te donner une très bonne correction. Gadibia. Tu es un véritable criminel. Gadibia. Bon sang. Bonjour. Mon ami, attends. S'il te plaît, viens. Viens, viens vite. Je t'en prie, attends. J'ai une information pour toi. Ma chérie, apporte-moi le truc. Tu sais, avant que la police ne te libère définitivement, hein, ma petite sœur et moi, nous avons parlé à propos de plusieurs choses. Donc, nous nous sommes entendus sur un point. On a décidé de ne plus te laisser vivre dans notre maison encore. Alors, nous avons fait tes valises. Tout ce que tu avais apporté est déjà dans les valises. Nous avons tout ramassé déjà. Mais... Alors, ma chérie, mets tout ça ici. Ça veut dire que nous ne voulons plus de toi chez nous. Plus jamais. Donne-moi cette enveloppe. Tiens, ça c'est la caution que tu avais donnée pour prendre la chambre. Tu as pu payer tout le mois que tu as passé ici. Donc, prends cet argent et cherche-toi un autre endroit où habiter. Et merci beaucoup pour tous ces troubles. Emeka, s'il te plaît, je suis désolé.
Je reconnais m'être mal comporté. Et j'assume toutes les conséquences de tous mes actes. S'il te plaît, je suis désolé. Nous aussi, nous sommes désolés. Nous sommes encore plus désolés pour tout ce que tu as vécu chez nous. Oui. Hein? Alors, je t'en prie, une fois de plus, désolé. Prends juste tes valises et trouve-toi un autre endroit où vivre. Hein? Merci beaucoup et bonne chance. Hein? Ma chérie, continue à faire ce qu'on faisait. Voilà, toi tu peux partir. Ce n'est pas ta faute. Ne la touche pas. Akudo, allez, joue.